face au client et le croupion vers soi. Dans un premier temps, on prend le couteau que l'on insère dans le cou de la volaille. On pose la fourchette devant le croupion. On lève le poulet et on le laisse égoutter. Si le jus qui s'écoule est clair, le poulet est cuit. Si le jus est rouge, le poulet n'est pas tout à fait cuit. Une fois qu'il est égoutté, on le dépose sur l'assiette de travail, puis on va le coucher sur le côté. On plante la fourchette entre le pilon et le contre-pilon, en pleine chair, comme cela, et ensuite on incise la peau. Une fois que la peau est incisée, on tire sur la cuisse afin de la décoller du corps. Ensuite, on dépose la cuisse sur l'assiette chaude et on va couper la jointure qui se situe juste à l'angle du pilon et du contre-pilon, juste ici. Et on fait juste une légère incision, comme cela. Une fois que ceci est fait, on dépose la cuisse sur le plat avant de retourner le poulet dans l'autre sens et d'opérer de la même manière. C'est une découpe qui peut être réalisée très rapidement. Et en effet, si on connaît l'anatomie de la bête, en une minute, le poulet est découpé. Une fois que les cuisses sont détachées, on redresse le poulet, on plante la fourchette dans le coffre, de cette manière-là, et on va, au centre de la poitrine du poulet, inciser la peau, jusqu'à la hauteur du bréchet, où l'on va s'arrêter, passer, longer cet os du bréchet, et ainsi séparer l'aile de la carcasse. Une fois que l'aile est détachée, on la dépose sur le plat, et on opère de même manière avec l'autre côté. Toujours planter la fourchette dans le coffre, passer à côté du cartilage, longer le bréchet et inciser la jointure. Décoller toute la chair à l'aide du couteau et ensuite décoller la chair. On dépose ensuite l'aile sur le plat en disposant correctement la peau sur la chair qui s'est décollée. On va ensuite retourner le poulet, enlever la peau qui est sur son dos et à l'aide de la cuillère, libérer ces petits filets qu'on appelle les solilesses et qui se situent du côté du croupion, qui vont ensuite être déposés sur les cuisses. Donc les solilesses sont dans deux cavités, déposées sur les cuisses, et ceci étant fait, on va récupérer la chair qui est encore sur la carcasse à l'aide de la cuillère. Cette chair sera déposée sous les ailes et sera donc cachée, mais on permettra au client d'en profiter. La dernière chose à faire, c'est libérer l'os du bréchet. C'est un os en forme de fourchette. D'ailleurs, certains l'appellent la fourchette. Et cette chair-là, on la récupère également et on la dépose sous les ailes. Voici donc la présentation du poulet avant le service au client. L'assiette de découpe et l'assiette à déchets sont débarrassées et on ramène les assiettes chaudes pour le service.